Tout a commencé un jour de 1709. J'étais une graine. La graine d'un chêne qu'un vent sympathique et mystérieux avait posé là, en terre de France, au cœur de la forêt du Rosemont. La forêt du Rosemont, c'est tout près de Belfort, une petite ville nichée dans une trouée à l'est du pays. Donc j'étais une graine, un gland comme ils disent, et rien ne laissait supposer que 80 années plus tard, j'allais faire l'objet d'un bouleversement humain gigantesque. C'est que je viens du soleil et je vais grandir, grandir. Si je suis tombé du ciel, c'est que je viens du soleil et je vais grandir. Grandir jusqu'à plus pouvoir, grandir sans jamais savoir mais où haïr. Entre l'amour et la haine, pour t'appartenir. Savourer l'instant magique d'un élixir galactique, un autre délire.
c'est encore moi. Au fait, je m'appelle Quercus Robur, pédonculé du Val du Rosemont, mais appelez-moi le chêne. C'est plus simple. Attention, pas n'importe quel chêne. Je suis une philophagacée, un chêne d'une espèce infaillible. Dans la galerie des connaissances, je donne la sève à ceux qui savent. Hélas, ceux qui savent ne sont pas toujours ceux qui sauvent. Quand il manque le cœur, le pouvoir est tragique.